Ha, ha, ha. On ne se lève pas un matin et on devient capitaine. C'est faux. Être capitaine, ça se mérite. Il faut être un meneur d'hommes, un solide. Le capitaine Evra est un dur à cuire, un solide capitaine. Un capitaine exemplaire, un dur à cuire. L'homme qui ne parle pas derrière les marmites. L'homme qui ne raconte pas du n'importe quoi derrière les marmites. L'homme présent. L'homme qui parle face à face. L'homme qui défie la chronique. Face à face. Un solide. Oui. Evra est un dur à cuire. Evra a ramené la pendule à l'heure d'été. Comme la plupart des commentateurs et journalistes sportifs n'ont aucun respect pour les joueurs de l'équipe de France, Evra a ramené la pendule à l'heure d'été. Et certains ciblent même certains joueurs pour les dénigrer. En les insultant dans des médias, 4 sur table, il a vidé son Evra a ramené la pendule à l'heure. L'homme capitaine, un solide, a ramené la pendule à l'heure. Un homme juste qui ne s'embrouille pas. Et oui, on ne se lève pas un matin et on devient capitaine. C'est faux. Un capitaine, ça se mérite. Evra est un bon capitaine. Et chacun est à sa place. Il a vidé son sac. Et chacun est à sa place. Ça va très vite. Devant les télévisions du monde entier, il a son sac. Evra a éclaboussé la grosse merde devant les télévisions. Car il n'aime pas le playback. Bien. Non, ce n'est pas son truc. Vive le capitaine Evra. Et c'est ainsi que certains ont failli finir la carrière de Benzema. À raconter du n'importe quoi sur Benzema. Et c'est ainsi que certains ont failli finir bien. Définitivement la carrière sportive de Benzema en racontant du n'importe quoi sur Benzema. Du grand oui, Benzema, vous savez, ça fait 10 millions de minutes que Benzema n'a pas encore marqué l'équivalent de 50 matchs. Oui. Benzema n'a pas encore marqué. Ça a été dit. Est-ce que Benzema a la magie de marquer? Est-ce que Benzema joue avec des petits? Benzema joue contre les professionnels. Il est professionnel et les gens qui jouent contre, qui l'empêchent de marquer, ce sont des professionnels, ce ne sont pas des amateurs. Voilà. Donc, tout est équilibré. Encore. Y a-t-il pas d'autre joueur que Benzema? Traumatiser le moral de Benzema. C'est honteux et scandaleux. Détruire psychologiquement le moral de Benzema. Les hypocrites. Mais hélas, le temps de Dieu. Le temps est entre les mains de Dieu. Benzema, c'est Benzema. Tous ces hypocrites. Hélas, le temps appartient à Dieu. Benzema, c'est Benzema. Et il a démontré de A à Z qu'il est Benzema. Et il demeurera Benzema. Le neuf majeur. Honte à vous qui racontez du n'importe quoi sur le joueur de l'équipe de France. C'est honteux. Un peu de tenue et respect. Grand respect. Grand respect. Et ne plus jamais les insulter. Grand respect. Sale gosse. Dans des médias. À force de raconter du n'importe quoi sur le joueur de l'équipe de France, Ben Arfa est sorti de son silence. Oh Ben Arfa. Ben Arfa, attaque Ben Arfa, tout le temps attaque, que des attaques dans des journaux, que des attaques dans des radios, des attaques dans des télés. Il en avait marre, il en avait marre. Il était obligé de répliquer. Il en avait marre. C'était trop de ces journaux qui racontent du n'importe quoi sur le joueur de l'équipe de France. C'est trop. Et quand c'est trop, c'est laid. Il était obligé de sortir encore, sortir de son silence. Fait le geste les aux journalistes de fermer leur gueule. Et il a bien fait. Les fermez vos grandes gueules de merde. C'est énorme ce que vous racontez sur ces enfants. C'est trop. Et quand c'est trop, c'est laid. Evra est un homme fort. Evra est un capitaine fort. Grand respect pour ce grand champion. Venez encore parler d'Evra. Venez encore comme à l'accoutumée et vous insultez. Evra vous invite maintenant à venir raconter du n'importe quoi sur lui. C'est lui-même qui vous invite maintenant. Venez. Chacun aura sa dose. Chacun aura sa dose bien pimentée. Evra est un homme fort. Et oui, ça c'est Evra. On ne se lève pas un matin et on devient capitaine. Être capitaine, ça se mérite. Evra est un grand leader. Ne vous cachez pas derrière Vive le capitaine Evra, grand leader. L'histoire retiendra dans les annales des archives des 3F. Evra, le capitaine Evra. Vive le capitaine Evra. Un homme solide. Vive le capitaine Evra. Titulaire indiscutable. Le bourreau des médias. Ne vous cachez pas l'homme qui a éclaboussé la vérité
en direct devant la télévision du monde entier. L'homme fort, le capitaine Evra, un solide, un tueur à cuite. Et oui, l'homme qui a ramené la pendule à l'heure. Merci capitaine, il fallait le faire, car c'est trop, et c'est trop, et c'est trop, et c'est trop, et c'est laid.